Side. Salut les gens, c'est Gecko, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Call of Duty Ghost pour vous présenter, selon moi, la bonne classe à avoir sur ce jeu. Donc je répète, c'est vraiment selon moi, avec mon arme préférée, les accessoires que je préfère et tout ce qui s'ensuit. Donc tout d'abord, on est sur la map que je me rappelle jamais ce nom. Donc c'est la seule map qui est enneigée, si je me trompe pas. Pas difficile à reconnaître. Et donc on va commencer de suite avec ma classe. Donc ma classe, l'arme que je préfère moi, c'est un fusil d'assaut, c'est le Honey Badger. Badger ou Badger, je sais pas comment le dire. Donc fusil d'assaut doté d'un silencieux d'origine. Je trouve que c'est pas mal ça. Ça fait que vous pouvez rajouter 3 accessoires à côté et en fin de compte ça vous en fait 4. Donc c'est vraiment pas mal. Donc fusil d'assaut, ouais, qui moi que je trouve super efficace, que ce soit à courte ou à longue portée, que ce soit à corps à corps, face à une mitraillette, vous avez toutes vos chances avec cette arme dans les mains. Et je trouve vraiment super efficace. Donc moi, les accessoires sur cette arme, je mets la poignée. Tout d'abord, bah déjà pour diminuer le recul, même si elle en a pas des masses, ça améliore quand même cette chose. Ensuite, le viseur réflexe, bah, pour améliorer la précision et la portée, tout simplement. Hein. Et ouais, la précision, surtout la précision de loin, quand il y a une cible qui est allongée au sol ou quoi, c'est beaucoup plus difficile de la viser correctement avec le viseur, simplement le viseur de l'arme. Donc là, je fais mon petit colis, je me suis mis un petit peu à l'écart. Ensuite, les balles perforantes, troisième accessoire que je mets sur cette arme, les balles perforantes qui améliorent le dégât, la distance et la précision. Ça améliore les trois caractéristiques principales de l'arme. On va y arriver. Ensuite, en arme secondaire, le pistolet, le M9A1, avec l'accessoire frein de bouche. Je me coupe, comme vous pouvez voir, la chute du satellite en direct que j'ai eu dans le colis. Alors, ce truc, cette KEM spéciale pour cette map, je ne sais pas vraiment à quoi elle sert. Je ne donne rien à votre équipe, ni vous, vous ne gagnez rien non plus. Je ne sais pas à quoi vraiment elle sert, cette chute de satellite. Donc enfin bref, on en revient à ma classe. Donc en arme secondaire, je le disais, le pistolet, le M9A1, avec comme accessoire frein de bouche qui améliore les dégâts courtes à longue distance. Hein. Avec comme second accessoire, les balles perforantes, pareil, qui améliorent dégâts, puissance, précision, ça améliore un peu tout. Ensuite les atouts, vous pouvez voir, je connais pas tous les noms. Hein. L'atout que j'utilise sur cette classe, après ça, les atouts c'est pareil, ça dépend de comment vous jouez, des modes de jeu, ça dépend de plein de choses, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez tenter une KEM, vous n'allez pas mettre les mêmes atouts que si vous allez faire une partie pour rusher au rocher comme un bourrin quoi. Comme moi je rush beaucoup avec ces atouts là, je compte pas tenter une KEM avec une classe dotée de ces atouts. Donc là les atouts pour cette classe, alors c'est pas bonne gâchette, mais en fait c'est l'atout qui sert à viser plus vite après un sprint. Donc ça m'est vachement utile. Ensuite, l'atout que je mets sur toutes mes classes, le sprint illimité. Troisième atout que je mets sur toutes mes classes, silence de mort. Parce que déjà là, moi je joue sans casque sur PS3. Je joue qu'au son de la télé, donc c'est déjà assez merdique comme ça. Donc j'essaie de me faire le plus discret possible. Donc j'utilise silence de mort. Et ensuite, oula, je commence à bugger, c'est pas bon ça. Ensuite, le quatrième atout, c'est pour avoir un troisième accessoire sur mon arme. Et donc voilà les gens. Donc après, j'utilise le spécialiste. Hein, ça, c'est suivant ce que vous voulez faire, comment vous jouez. Et donc voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de ma classe pourra vous aider à améliorer la vôtre, à améliorer votre jeu. Et sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Allez, ciao les gens.